Suivez Automag avec CFAO Motors Sénégal. Betty, bonjour. Salut Diedrich. Bienvenue dans Automag. Merci. Une fois n'est pas coutume. Tout à fait. Amis téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez un très agréable week-end en compagnie des programmes de la TFM. Si ce n'est pas le cas, eh bien, sachez que ça va changer, hein, puisque c'est Automag qui s'invite chez vous. Je suis avec la ravissante Betty Diaw de CFAO Motor Sénégal. Betty, aujourd'hui, notre vedette, c'est le RAV 4. Tout à fait, la nouvelle version de la RAV 4 2016. D'accord, cette nouvelle version, donc je m'en vais vous présenter dans une poignée de secondes cette voiture. On en a tellement parlé en long et en large, c'est vrai aussi qu'elle vaut réellement tous les éloges. C'est le SUV précurseur d'ailleurs hein, de cette gamme de véhicules très en vogue actuellement un petit peu partout dans le monde. Et CFAO Motors nous amène justement le meilleur de ce RAV 4 qui n'est autre que cette version intérieur cuir, une boîte automatique, moteur 2.0 ultra puissant, vraiment, c'est carrément de la bombe. Je vous la fais découvrir, c'est la grande vedette de ce 137e numéro d'Automag. Alors, juste vous dire qu'il y aura aussi en deuxième partie de cette émission votre rubrique Actu Auto, où vous ferons découvrir leurs toutes nouvelles innovations en matière d'automobile, en prélude justement au salon automobile de Paris qui débute en octobre. Alors aujourd'hui je suis habillé, hein, et très honoré d'ailleurs d'être habillé encore une fois
par notre ami Gorbatchev Nyan. Betty, ça te parle ça, Gorbatchev? Oui, la tenue est très belle et j'aimerais bien avoir la version féminine. Ah ben écoute, hein, Gorba, tu es à l'écoute. Hein. Effectivement, il y a aussi une version féminine de ce magnifique boubou signé Gorbatchev Nyan. C'est Made in Sénégal et on est encore une fois très fiers de porter cette tenue de la marque donc Dresscott. Chapeau à toi, Gorba. Et merci aussi pour l'accompagnement. Mesdames et messieurs, aux caméras, il y a Ibrahim Ayag, Ibrahim Diouf, au montage, Ibrahim Ayag aussi. Rafine Khan est au générique, il y a Diallo à l'infographie. Merci à toutes les équipes de production. Attachez vos ceintures, c'est Automag qui prend le volant. Mine de rien, en deux décennies, il en a pris du volume. Lui, c'est le fameux Toyota RAV4 qui, cette année, fête ses 20 ans. En effet, le RAV4 s'est totalement métamorphosé pour davantage répondre aux exigences plus rigoureuses que jamais d'une clientèle désormais avertie. Sa dernière refonte complétée il y a peu a d'ailleurs pavé la voie à plusieurs changements. Esthétiquement d'abord, le RAV4 en jette réellement avec des lignes plus acérées, plus robustes, voire plus modernes que jamais. Côté design, le RAV4 se démarque d'ailleurs plutôt bien de la compétition rude que se font les SUV de nos jours, là où plusieurs constructeurs proposent des modèles très similaires les uns aux autres. Dans ce contexte, le RAV4 sort véritablement du lot. Ce constat évolutif d'une montée en gamme certaine se fait également ressentir à bord du nouveau RAV4, et cela grâce à une qualité de fabrication rarement vue sur un 4x4 de ce segment. Sous le capot, ce nouveau RAV4 est désormais disponible avec un bloc à 4 cylindres de 2 litres 2, jumelé à une boîte automatique à 6 rapports. Histoire d'avoir d'autres avis sur la modularité et le confort du nouveau RAV4, nous avons embarqué deux jeunes femmes à bord de notre voiture d'essai pour une petite balade improvisée. Voici leur réaction. Coucou! Allons-y faire un tour en RAV4? Salut! Bonjour! Salut les filles! Salut. Bonjour. Alors, comment vous trouvez déjà cette toute nouvelle RAV4? Très spacieuse. Ouais. Confortable. Mm-hmm. Ouais. Vous verrez dedans, là, carrément? Ah oui, carrément. Donc, Betty est là, hein, Betty, tu leur offres un RAV4 à chacune ou pas? Choisissez vos couleurs. Ah. Bon, on va faire un troc. Hein. Elle nous offre un séjour au TROB et après, on verra. Voilà, je pense que c'est l'échange qu'on devrait faire. Je pense qu'un séjour au Théroubi comparé au prix de la RAV4, il n'y a pas de souci. Plusieurs séjours au Théroubi, on verra ça avec Camille. Allez, on vous embarque, mettez vos ceintures et oui, c'est parti pour un petit tour. C'est parti. Allez hop, c'est parti. Au volant, on notera que le SUV star de Toyota offre une position de conduite assez haute, point fort agréable, tandis que la visibilité générale est quant à elle excellente. Ni trop petit, ni trop grand, pour l'instant, le RAV4 demeure le moins volumineux SUV disponible chez Toyota, même si, au fil des ans, il a bien grandi et surtout bien mûri. Venez l'essayer, il n'attend plus que vous chez CFAO Motors et nulle part ailleurs. We'll be right back.
On débute cette rubrique à Tuyoto par l'arrivée de la nouvelle Fiat 500S présentée au dernier salon automobile de Genève. Cette déclinaison de la petite citadine italienne qui se démarque par son look sportif est en effet désormais commercialisée. L'occasion de découvrir ses tarifs qui débutent à 14 990 euros en essence. Pour ce prix-là, vous aurez droit à la finition S comprenant de série la climatisation, les jantes alliage de 15 pouces, les projecteurs anti-brouillard, les radars de recul, les vitres surteintées ou encore le système d'infodivertissement de 7 pouces ainsi que le bloc 1.2 de 69 chevaux. A noter que la Fiat 500S est également proposée en essence de 85 à 105 chevaux. En diesel, la Fiat 500S débute à 18 440 euros, équipée du bloc 1.3 multijet de 95 chevaux. Pour passer à la climatisation automatique, les jantes de 16 pouces ou encore la sellerie cuir, soit la finition S+, il faudra encore ajouter 1 500 euros, quelle que soit la motorisation. Enfin, comptez 2 000 euros supplémentaires pour la 500S cabriolet, soit à partir de 16 990 euros. Et puisque l'on est dans les chiffres, sachez que la nouvelle Skoda Octavia et son nouveau bloc d'entrée de gamme débarquent aussi au catalogue. Elle passe aux 3 cylindres avec un bloc 1 litre turbo de 116 chevaux qui vient remplacer le 4 cylindres 1 litre de TSI de 110 chevaux proposé jusqu'à maintenant. Les tarifs de cette Octavia 3 cylindres en boîte manuelle 6 rapports débutent à 20 490 euros en berline et 21 590 euros en combi, soit 1100 euros d'écart. Seule la finition d'entrée de gamme active supporte cette motorisation avec deux séries, la climatisation et le régulateur de vitesse, entre autres. À noter quand même que ce 3 cylindres sera également disponible sur la série spéciale édition qui débute à 23 850 euros en berline et 24 950 euros en break. À peine présenté que cette seconde génération de la Porsche Panamera s'adjuge déjà le titre de berline de luxe de série la plus rapide au monde. Et c'est sur le circuit du Nürburgring que Porsche est allé pousser la version turbo de 550 chevaux pour tenter de rentrer dans l'histoire. Cette Panamera turbo est entièrement de série à l'exception de l'arceau cache de protection à l'intérieur et la voilà partie à l'assaut des 22 km 810 du circuit avec au volant un pilote qui ne compte rien lâcher. Et le chrono tombe 7 minutes et 38 secondes à une seule petite seconde devant l'Alfa Giulietta Quadrifoglio. Voilà la Panamera couronnée nouvelle reine des berlines. Sans transition, direction la Colombie où Renault vient de présenter un tout nouveau modèle et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un pick-up. En effet, le Losange nous livre aujourd'hui la version de série de l'Alaskan. Comme attendu, celle-ci est quasiment une copie conforme du prototype. Allure robuste, calandre imposante, signature lumineuse en forme de C. Pas de surprise côté look. Pour le reste, ce pick-up revendique une charge utile d'une tonne et une capacité de remorquage de 3,5 tonnes. Sa benne serait-elle résistante aux UV, hydrofuge et antidérapante? Pour ce qui est des équipements, l'Alaskan dispose notamment de la climatisation automatique Bison, d'une vision à 360 degrés et d'un système multimédia à écran tactile 7 pouces. Enfin, sous le capot, l'engin accueille un moteur diesel proposé avec un 2,5 litres essence de 160 chevaux ou un 2,5 litres diesel de 160 à 190 équidés. Le tout avec boîte manuelle ou automatique, 2 ou 4 roues motrices. Disponible en version simple, cabine ou double cabine, l'Alaskan sera commercialisé dans un premier temps en Amérique latine, puis s'attaquera ensuite au reste du monde. On change d'univers avec l'arrivée en production d'une grande nouveauté, l'Audi Q2, dont les premiers exemplaires viennent de sortir des chaînes de montage d'Ingolstadt en Allemagne. Le nouveau SUV compact d'Audi est produit à 450 exemplaires par jour. Pour rappel, le Q2 sera commercialisé dans le courant de ce mois de juillet pour une arrivée sur nos routes dès novembre prochain. Chez DS, c'est la DS4 Crossback qui fait l'objet d'une série spéciale et limitée baptisée Terre Rouge. Basée sur la version baroudeuse de la berline compact, elle reçoit une couleur orange mat, des jantes de 18 pouces noires ou encore des vitres teintées à l'arrière. Déjà en vente, cette DS4 Crossback Terre Rouge est proposée des 37 450 euros en diesel et 36 100 euros en essence, produite à seulement 500 exemplaires. Insolite sur deux roues à présent avec le pilote de moto Kenan Sufoglu qui au guidon de sa Kawasaki Ninja H2R a atteint il y a quelques jours les 400 km/h. Des images très impressionnantes pour une vitesse fulgurante atteinte sur le point Omangzi du sud d'Istanbul. Un record qui malheureusement ne figurera pas dans le livre officiel, la H2R n'étant pas homologuée pour la route.
Place à présent à l'actualité produit. Opel vient d'ouvrir le carnet de commandes du Mokka restylé. Souvenez-vous, en mars dernier, le SUV compact, en plus d'adopter un look plus élégant, avait aussi ajouté une lettre à son nom, un X. Nouveauté qui s'accompagne d'une baisse des prix, excepté sur les diesel. Le Mokka X démarre donc à 20 950 euros avec un 1 litre 4 turbo essence de 140 chevaux et 23 300 euros avec un 1 litre 6 diesel de 110 chevaux. L'équipement de série comprend climatisation, volant cuir et désormais l'allumage automatique des phares. La version supérieure proposée en version 4x4 et avec un diesel de 136 chevaux ajoute le système d'assistance connecté OnStar et les vitres arrière surteintées. Enfin, le top du top, Elite, unique version proposée avec le bloc essence de 153 chevaux à boîte auto, reçoit des sièges électriques en cuir, un écran tactile de 8 pouces et une caméra de recul. Première livraison prévue fin 2016. Après la traditionnelle citadine, c'est au tour des versions sportives de la Clio, la RS, de recevoir leur coup de blush. Au menu, nouvelle grille de calandre et projecteur redessiné, privilège des versions RS. Le béquet arrière, le diffuseur, les jantes de 18 pouces et le bouclier avant intégrant un éclairage à LED en forme de damier. Une innovation croisée en mai sur le concept Clio RS 16. Côté châssis, pas de changement avec toujours des réglages spécifiques pour chacune des versions et d'un léger écart de puissance. Question tarif, ça grimpe, compte 26 300 euros pour la Clio RS de 200 chevaux et 29 300 euros pour la Trophy de 220 chevaux. Direction chez Ferrari avec la version découvrable de la plus exclusive des hypercars du constructeur de Maranello, la LaFerrari Aperta. Il aura fallu 3 ans aux ingénieurs pour mettre au point ce Spider exclusif dont tous les exemplaires ont déjà trouvé preneur. Un modèle qui conserve son V12 de 800 chevaux et son moteur électrique de 163 chevaux, mais dont le châssis a subi de profondes modifications pour pallier aux problèmes de rigidité et de torsion. Question look, Ferrari confirme la présence d'un toit en toile ou en fibre de carbone, mais pour l'heure n'en montre rien. Renault vient de lever le voile sur sa Mégane Sedan, une berline tricore que le constructeur aux losanges ne destine stratégiquement qu'à une vingtaine de marchés. Pourtant, cette Mégane berline ne manque pas d'atout avec une plastique aguicheuse dans l'esprit des coupés 4 portes. Selon des rumeurs que Renault ne confirme pas, cette mini talisman mesurait 4,63 m, soit 27 cm de plus que la compacte 5 portes et quasi autant que le break Mégane. Côté coffre, avec 508 décimètres cubes de volume, elle s'intercale pile entre les deux modèles. Version dont elle reprend les équipements avec la tablette multimédia de 8 pouces 7, l'affichage tête haute ou encore le toit panoramique. Elle partage également les mêmes motorisations, 5 blocs sont au catalogue avec des puissances de 90 à 130 chevaux. Ce dernier profite même d'une boîte à double embrayage sur sa version turbo-essence produite dans l'usine de Bursa en Turquie. La 4 portes complète une famille Mégane dont la seule absente désormais n'est autre que le cabriolet à suivre. La carrière du nouveau 3008 est officiellement lancée par Peugeot. Départ 25 900 euros avec le bloc essence PureTech de 130 chevaux associé à la finition Access. Version d'entrée de gamme qui ne lésine pas sur les équipements avec d'office affichage tête haute, système de reconnaissance des panneaux et Bluetooth. À motorisation équivalente, le Renault Kadjar est 2000 euros moins cher mais en offre aussi un peu moins. En diesel, comptez minimum 27 400 euros pour profiter du Blue HDI 100 chevaux. Pour profiter d'un traitement un peu plus sportif, pour son 3008, il faut opter pour la finition GT Line. Cette dernière est proposée avec les essences de 130 et 165 chevaux, mise à prix 32 450 euros. Comptez minimum 2200 euros de plus pour en disposer sur les diesels de 120 et 150 chevaux. Seul le 2.0 diesel de 180 chevaux se réserve la finition GT, avec entre autres passage de roues élargies, jantes 19 pouces et selleri Alcantara. Antara, mise à prix 41 650 euros avec une boîte à double embrayage. Souvenez-vous, au salon de Genève 2016, DS créait la surprise en présentant un concept de GT sportif 100% électrique, son nom E-Tense. Un prototype qui a déboulé dans les rues de Paris lors du Grand Prix de Formule I début juillet, parade durant laquelle le bolide de 402 chevaux a pu effectuer son tout premier galop d'essai sur route et autoroute. CDS travaille toujours sur le projet, il ne semble pas faire partie de ses priorités. Le constructeur veut d'abord miser sur un SUV et le renouvellement de sa gamme actuelle avant d'envisager lancer officiellement ce sublime modèle qui pour l'heure n'existe qu'en un seul et unique exemplaire.
populaire. La Camaro a 50 ans, née en septembre 1966, soit un peu plus de 3 ans après la Ford Mustang. Elle emprunte à la Pony Car les mêmes codes, une carrosserie de coupé, 4 places, une gueule et un sacré caractère. Un demi-siècle plus tard, la recette n'a pas changé avec l'arrivée de la 6e génération de la sportive. Découverte en mars dernier à Genève, une version pour laquelle Chevrolet a développé une série spéciale anniversaire nommée 5T qui reçoit des badges spécifiques jusque sur le cache-moyeu de roue et une teinte extérieure grise exclusive. À bord, rien de révolutionnaire avec un intérieur cuir noir et une planche de bord alvéolée. La Camaro profite de deux motorisations, 4 cylindres turbo de 275 chevaux et un V8 6 litres de 453 chevaux. Mais seul ce bloc donne le choix dans la transmission, le 2 litres héritant d'office de la boîte auto. Côté performance, comptée entre 4 secondes 4 et 5 secondes 9 selon la motorisation choisie, un modèle anniversaire que Chevrolet propose à partir de 46 565 euros sur commande. Allez, je vous propose une petite pause musicale, mais toujours en voiture, avec ce clip très original signé Volkswagen, qui pour promouvoir la série spéciale Beats Audio sur sa Polo, a fait appel au rappeur Alfred Banks. Écoutez et surtout bougez, c'est tout simplement fun. Yeah, you late, dawg. That's the only thing that changed. I'm the same, dawg. It's just the next episode. Call that late, dawg. Give a damn about none of that hate, cause it's all handshakes when they up in my face. Got a lot of cats that wish they was in my place, but it's my season, now they gon' have to wait. That's the reason for all they hearts to break. They put their heart into what I made it palpitate. Had to kill a couple dreams, but man, that's the break. Let me kill a couple more. Homecoming. Allez, revenons aux choses sérieuses avec les chiffres du marché automobile mondial qui se porte plutôt bien en cette fin de premier semestre 2016 avec 2,4% de hausse du nombre d'immatriculations enregistrées au terme des 6 premiers mois de l'année. Dans le monde, cela représente plus de 44 millions de véhicules vendus. La Chine reste le premier marché international avec 27% de part de marché devant les États-Unis et le Japon. L'Europe vient juste derrière, elle enregistre entre janvier et juin une progression de 9% des ventes, soit plus de 8 millions d'unités. C'est le 34e mois consécutif de hausse. L'Afrique, elle, boucle ce classement toujours aussi timidement. Voici le bus du futur, il est signé Mercedes. Pas qu'un concept, le véhicule a réalisé une vingtaine de kilomètres entre l'aéroport de Schiphol et la ville de Haarlem aux Pays-Bas pour démontrer tout son potentiel. Ce qu'il sait faire, conduire tout seul grâce à une flopée de caméras, radars et autres détecteurs GPS. Il respecte la signalisation routière à la lettre et s'est même déposé seul ses passagers aux arrêts. Un bus de 12 mètres de long où le chauffeur reste tout de même le maître à bord. À bord, justement, le design est épuré et les passagers profitent d'un confort accru. Il leur est notamment possible de recharger leur téléphone par induction. À travers ce dispositif que Mercedes teste également à bord de camions, les idées restent les mêmes. Réduire les accidents et la consommation, fluidifier le trafic, améliorer le confort et la productivité. Daimler va ainsi investir environ 200 millions d'euros dans le développement de ses bus urbains d'ici 2020. Direction l'Islande pour boucler cette rubrique Actu Auto International dans les coulisses du tournage de Fast and Furious 8. L'occasion de découvrir quelques-uns des bolides qui nous attendent pour la sortie du film en avril 2017. Une Lamborghini Murcielago, une Subaru WRX, une Dodge Charger ou encore le Rally Fighter de Local Motors, sans oublier les tanks et chenillettes, des engins un peu fous qui font tout exploser sur leur passage, ça promet. Now we get to pick up the mess. I was fine for a minute, you. I was broken but fine. I was lost and uncertain, but my heart was still mine. I was free for a
Merci pour ce passage. Merci à vous. Au passage, moi, j'ai pas de cadeau de la part du Terre Ouvrière. Bon, c'est pas grave, quoi. Vous êtes toujours le bienvenu, de toute D'accord. façon. D'accord. Merci, au plaisir. Je vous fais la bise. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Ciao, merci ciao. Beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Bye. Voilà, amis spectateurs, on en arrive quasiment au terme de ce 137e numéro d'Automag que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. J'étais aujourd'hui en compagnie de la très charmante Betty Diao de CFAO. Betty, merci beaucoup. Parce qu'on va rentrer ensemble hein, d'ailleurs à bord du RAF 4. Merci à vous, amis spectateurs, d'être restés en notre compagnie. Je le rappelle donc, hein, la star du jour, c'était carrément cette dernière variante hein, du Toyota RAF 4. Très très bien abouti, disponible chez CFAO Motor Sénégal. Venez l'essayer, venez le découvrir, vous serez assurément ravis. Je n'oublie pas de remercier pour terminer cette émission celui qui m'a habillé aussi chiquement aujourd'hui. Il s'agit de mon ami Ngorba Tchernian. Merci infiniment pour cette très belle tenue. Et tant d'autres hein, que je vous invite à venir découvrir sur sa page Facebook aussi, qui défile au bas de l'écran, c'est du Made in Sénégal. C'est carrément très DCBG. À venir voir donc la marque dress code de Ngorba Tchernian. Merci aux équipes techniques qui étaient avec moi aujourd'hui, Ibrahim Ayag, Ibou Diouf aux caméras. Racine Khan au générique et à Yano à l'infographie. Merci à toutes les équipes de production et bien entendu au personnel, hein, j'allais oublier du Terroubi. Et je commencerai d'ailleurs par Kabil Rahal, notre ami pilote, hein, excellent pilote d'ailleurs. Merci beaucoup pour l'accueil mon frère, merci à toutes les équipes, Fatoumata, Diaté, Malène, bref, tout le monde. Un petit coucou aussi à Ahmed Fek. Qui travaille ici au Terroubi, cette étoile 5 étoiles, où on a tourné aujourd'hui. Très beau décor, hein, très beau décor. Merci infiniment à vous pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous samedi, même chaîne, même heure, pour toujours plus d'actu, de nouveautés et de passion automobile. À partager ensemble, d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Automag vous a été proposé par CFAO Motors Sénégal.